Donc voici une petite vidéo de pêche à pied réalisée en décembre ou janvier dernier, il me semble, à la recherche de tout ce qu'on pouvait trouver sous les cailloux, essentiellement du crabe ou du homard. J'étais guidé par Mathieu, qui lui aussi connaît quand même pas mal en pêche à pied, par contre c'est pas du tout mon cas, moi je suis débutant, donc voilà, ne vous étonnez pas si je m'ébahis devant la moindre petite bestiole qui bouge sous les cailloux. Et je vous laisse profiter de la vidéo. Oh oui! Aïe! Je pense pas que ce soit maillé, mais bon. Non mais regarde, c'est maillé ça? Oh non, c'est pas maillé, hein. 100% c'est pas maillé. Regarde-moi cette saleté là! Non, c'est Non, pas t'avais maillé. 6. Aïe, mais oh! Eh oh, madame, monsieur l'étrille! Il est parti là? Il est pas sur le dos, hein? Pourquoi? Il est pas sur le dos, juste là. Non, non. Ok. Oh, Mince. en bas! Au sérieux? Où ça? Là, là! Là! Oh oui, bien joué! Ah, il est pas maillé, mais tu peux le sortir, tu penses? T'es sûr qu'il est pas maillé? Ah, c'est l'art petit, non? Pas si petit que ça. Ah, moi, je veux bien que tu le sortes juste pour que je le voie. Oh, bien joué! Trop beau! T'as ton mètre à portée ou le mien? 8,5, non? 8,5 ça? Ouais, c'est pas la longueur totale. Hein. Et je sais plus si on compte le rostre ou pas. Ah, il est fait large. Ouais, même sans le rostre, il est fait. Même sans le rostre, il est fait. Je sais plus comment ça marche. Oh, magnifique! Oh putain! Bon ben voilà. Bah, je vais retourner sur la terre ferme. Hein. Ça se tente, hein? Elle me semble un poil plus grosse que la tienne. Elle me semble un poil plus grosse et l'autre, j'aurais dit qu'elle était pas maillée, mais bon, visiblement, c'était pas loin. Elle fait 6,5 piles. Tu veux vérifier? Tu veux la garder? Bah, on peut la garder pour l'instant, non? Pour moi, elle est maillée, regarde. Je te demande quand même ton expertise, mais. Ah non, mais pour moi, j'ai bien vu sur la ligne. Ouais. Si on veut le relâcher, qu'il se prenne pas un coup de homard avant. Ça va, ça va. Une belle? Ah oui, quand même. Mal. Je suis une pince, on les attrape comme ça. Ah putain, c'est encore limite quoi. Ouais, c'est juste maillé, non? Ouais, juste pour ouais, ouais. On la garde aussi pour l'instant? Ah! Ouais, non. Non. Pas maillé celle-là. Oh, bébé trille! On le garde pour l'aquarium celui-là. Oh yes! Un air inipole. Je le repose là, là. Je le repose là, là. Aïe! Ah, il y a plein de petits tourteaux ici, mais il n'y en a aucun maillé, je pense. Non, on va. Je pense pas que ce soit maillé non plus. Non, à mon avis, non. Ne va pas sur le dos, c'est bon. Par contre, il y a beaucoup, beaucoup de crabes ici. On va finir par tomber sur du maillé, c'est obligé. Encore un petit tourteau. Oh, pas mal ça. Pas mal comme étrille. Ah, je sais pas si c'est maillot ou pas. T'en trouves? T'en trouves? Là, il y a plein de crabes ici. Mais beaucoup de non maillés.
Ah! Pour, 6-3 là. J'ai trouvé un bébé tourteau sous chaque caillou ou au moins une étrille. Ah, il est trop mignon! Ouais, par exemple, tu vois. Allez, on s'accouple maintenant. La grosse, grosse réactivité du tourteau. C'est sous les gros cailloux que je peux pas soulever. Oh oui! Oh, il est énorme! Oh, regarde-moi cette étrille! Ah, je crois que j'ai une pince. Tu l'as? C'est bon. Ah. Ah, j'ai perdu, j'ai qu'une patte. Ah, attends. C'est bon? Attends, je te soulève le caillou. Allez! Elle est maillée celle-là. Elle est vraiment jolie. Ah, c'est les pinces qui donnent un effet comme ça. Non, mais elle est vraiment jolie. Tu penses? Elle fait combien? Moi, je suis pas sûr, à mon avis, elle fait 7. Hein. Ouais, elle fait 7, 7. Tu peux mesurer? Mon nouveau record d'étrille, et ça se fait, hein? Ah, et 7-5 carrément, ouais. Bah, si on en fait 2-3 autres comme ça, peut-être qu'on pourra relâcher les autres, non? Tourteau. Pas gros. Oh putain, oui! Oh oui! Oh oui! Oh oui! Non! Oh, il est beau celui-là. Oh, c'est mon plus gros. Je pense pas que ce soit maillé, mais c'est mon plus gros. Ah, oh, il fait au moins 10. Oh, magnifique. Une belle femelle en plus. On va la relâcher ici. Ah, il est trop, trop beau celui-là. Putain, ils sont durs à voir au début. On dirait des cailloux comme ils bougent pas. Ok, gros, c'est pris. C'est tout. Pince en moi celle-là. Je pense qu'elle est maillée. Alors oui, on va voir si c'est maillé ça. Putain, seul c'est pas évident à mesurer. C'est largement maillé. 7 cm. On va laisser le maître dehors tant qu'on finit cette zone. Il y a un beau caillou à soulever encore. Belle étrille. Wow, 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 wow. Je pense pas qu'elle soit maillée celle-là. Ah, qu'est-ce que c'est méchant ces bestioles. Ah, je pense pas qu'elle soit maillée. On va la mesurer quand même. Non, elle est clairement pas maillée, 6 cm. On va pas te mettre sous le même caillou que le tourteau. Voilà. Oups. Désolé ma jolie. Ah. Voilà. Il me pince fort, dis donc le salaud. Du coup. Oh non, je t'ai pas. Sérieux. Elle est belle celle-là, elle est maillée à mon avis. On va quand même vérifier ça, mais pour moi c'est maillé. C'est largement maillé. Une belle étrille, mais bon, on a dit elle est pas maillée celle-là. On va la relâcher. Oh, mini tourteau. Oh non. Oh putain, je rends quand même, je regarde celui-là. Choupi, choupi, choupi. Ah non, je vais mettre forcément sur le dos là. Par là.
bouge pas en plus, hein. Pas mal. Mini tourteau. Allez, viens là, toi. Ah, regardez-moi ces petits tracks. C'est tout gentil, puis dès qu'on les dérange, ça pince fort. Allez. Ah, c'est sur le dos. Attends. Aïe, mais ça va pas, non? Complètement fêlé, celui-là. Lâche. Allez.